pourquoi être entrepreneur chez Iron Body Fit? Nous, ça fait 5 ans qu'on est chez Iron Body Fit en fait. On a commencé en tant que salarié, client. Client. On a commencé en tant que client. Donc dans le premier centre aux Angles. Ensuite, on est passé salarié, responsable de centre. Moi, je suis passé formateur pour la franchise. Je suis toujours un petit peu. Et puis en fait, au bout d'un moment, on s'est dit pourquoi pas nous? Pourquoi? Enfin, on voyait. Oui, tous les soirs, tu me disais, ouais. Putain, j'en ai marre. Là. Il faut que ce soit nous. C'est à nous d'être franchisés. C'est ça. C'est à force d'ouvrir des centres, en fait, je me suis rendu compte que, en fait, je savais faire. Marion sait le gérer, je sais les ouvrir, on sait gérer les clients. Et en fait, on s'est dit, on est limité. Le fait d'être salarié, on est hyper limité. On n'a pas de capacité pour améliorer notre train de vie. En fait, faut se lancer, faut être entrepreneur. Et Iron Body Fit, c'est à l'heure actuelle pour moi une mine d'or parce que c'est la meilleure solution pour ceux qui sont apprentis ou débutants pour se lancer ou même confirmer. Il y en a beaucoup, hein, mais pour se lancer et on va pas se mentir, on peut gagner énormément si on fait les choses correctement. Et en fait, être entrepreneur chez Iron Body Fit, c'est être libre. Une fois qu'on a bien mené sa barque et que le studio commence à prendre de l'ampleur, on a des coachs qui vont travailler avec nous, donc on va être avec eux, mais on va aussi se libérer énormément de temps parce que mine de rien, les coachs peuvent faire le même travail que nous. Alors, on sera toujours mieux. Ils n'auront jamais la même motivation. Un salarié reste un salarié, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Exactement. Mais nous, en tant que boss, disons qu'on sait quoi leur dire. Et puis de toute façon, s'ils font des erreurs, il faut partir du principe que c'est ta faute. C'est parce que tu les as mal formés, hein, monsieur le formateur. Mais je pense que aujourd'hui, être entrepreneur chez Iron Body Fit, ça fait moins peur. C'est vrai qu'ils m'auraient dit tiens, j'ai inventé je ne sais quoi comme chose et vas-y, suis-moi. Oui, je l'aurais suivi par amour, mais c'est vrai que j'aurais quand même plus peur. Iron Body Fit, comme on disait tout à l'heure, on est dedans depuis le début. Franchement, c'était une évidence, c'était sûr, c'était notre destin. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on peut tout lier. On peut lier notre vie perso, notre vie professionnelle. On a la chance d'être une équipe qui tourne. On a tous les deux des qualités qu'on mène à bien et on est vraiment une super bonne équipe, ça je peux pas le nier. Donc voilà. Et puis le fait de pouvoir aussi gérer notre fille. Notre fille, c'est vrai qu'on n'a jamais voulu la faire garder. On s'est toujours dit si on est parent, et c'est pour ça qu'on en veut qu'une. Si on est parent, c'est pour s'en occuper, c'est pour la voir grandir, c'est pour qu'elle ait la chance d'avoir ses deux parents qui viennent la chercher à l'école, pour avoir ses deux parents pendant les vacances. C'est notre fille, c'est la nôtre. Et puis comme ça, on peut gérer notre travail, notre vie perso, notre vie professionnelle. Il y a tout qui est dit. Donc c'est vrai que ça, moi je pense que ça rend super. Être entrepreneur, c'est ça, c'est décider en fait de ton emploi du temps tout le temps. Ouais. Il y a certaines contraintes liées à nos employés, on doit être là, liées à nos clients, si jamais on doit pallier à un salarié qui est absent ou quoi. Mais en soi, en fait, on peut décider de prendre sa journée pour passer, comme on dit, une journée avec notre fille, pour passer du temps ensemble, pour prendre du repos. On fait ce qu'on veut. Être entrepreneur, c'est ça. Et être entrepreneur chez Iron Body Fit, si c'est bien mené, c'est trop bien. C'est trop bien. On est libre, on a moyen de gagner beaucoup d'argent, parce qu'il ne faut pas se mentir, mais c'est quand même une grosse source de motivation. Et en fait, entrepreneur, il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. Et chez Iron Body Fit, à l'heure actuelle, on est limité en termes d'adhérents. Nous, on a prouvé que on pouvait passer de 150 à 180, à 200, à 250, et on est monté à 300, quasiment 300 adhérents il n'y a pas très longtemps. Quand on monte comme ça, on s'aperçoit que la rentrée d'argent n'est pas la même. Et puis après, il y a les ventes complémentaires et ce genre de choses. Puis on ouvre un studio, deux studios, trois studios, et puis après, à l'étranger. et puis voilà. Et puis ça, c'est comme ça, en fait. Je pense qu'on peut devenir, on peut tous devenir entrepreneurs, et il suffit juste d'avoir la motivation, la motivation, la foi, et puis d'avoir. La chance, c'est que ici la franchise, elle vous suit. T'as une question, ils sont toujours là pour vous. C'est vrai que à chez Iron Body Fit, il y a toujours des choses qui sont mises en place pour nous aider, des nouvelles possibilités. Il y a vraiment tout. On n'est pas jugé. Donc en fait, être entrepreneur, c'est bien, mais être entrepreneur chez Iron Body Fit, c'est carrément mieux. Ouais, est-ce qu'on peut revenir à la vie d'avant? Non, c'est pas possible. Alors, ça dépend, mais quand? Enfant?
Enfant, ça me va, il n'y a pas de problème. Vers 10-12 ans, on est pas mal, on est insouciant, on s'en fout. Revenir à la vie d'avant quand t'es, quand tu commences à être salarié, non. Enfin, moi, je suis C'était passé des par belles beaucoup de choses. expériences. Ouais, c'est des expériences. Ouais. Mais revenir à la vie d'avant, moi, je suis ancien militaire. Et franchement, comparer l'armée à Iron Bodyfit, c'est le jour et la nuit, en fait. C'est. Là, on est libre, on fait ce qu'on veut, on suit les consignes de la franchise quand même, parce que c'est on n'est pas libre non plus à 100%, mais en soi, non, c'est impossible de revenir à la vie d'avant. Quand on a goûté Oui. au monde de l'entrepreneuriat, à sa liberté, à sa capacité aussi à gagner de l'argent, bah en fait. Parce qu'on est comme ça, parce qu'on est deux, parce qu'on se motive l'un et l'autre, et parce qu'on n'a pas peur. Je pense qu'aujourd'hui, il y a des entrepreneurs qui ont peur, hein, clairement, surtout dans des périodes telles qui se passent actuellement. On a de la chance, honnêtement, on a énormément de chance de faire partie de ce cadre d'activité. Oui, et aujourd'hui, être entrepreneur dans un autre domaine, ça peut être terrible, clairement. Mais je pense que non, là aujourd'hui, on a de la chance. Moi, si j'étais restée à ma vie d'avant, je pense que bah, je serais toujours au chômage partiel, du coup. Donc non, perso, j'ai pas tellement envie d'y retourner. Mais non, pour rien au monde, je remettrai un pied en arrière, déjà pour la liberté, comme il disait tout à l'heure, pour notre fille, et puis bah, pour ce que je fais actuellement, j'aime trop ça. Et puis l'avenir, il est là, en fait. L'avenir, il est là, on peut faire ce qu'on on peut faire ce qu'on veut, dans la limite du possible, bien sûr, mais je veux dire, ton avenir, c'est toi qui le fais, en fait, quand t'es entrepreneur. On peut se taper, comme je disais tout à l'heure, tu peux taper sur les doigts de toi-même si jamais tu fais une erreur. Mais en tout cas, c'est toi qui es motivé, enfin, c'est ta motivation et c'est ça qui fait que tu iras loin en fait. Donc, non, pas. Non, on Non. reviendra. Non.